Es-tu conscient que tu as un pouvoir illimité, absolument illimité et infini? Alors, je t'invite à observer dans ton quotidien, dans ton comportement, dans ce qui t'entoure, dans ton attitude, dans ton discours mental. Es-tu souvent en train de te dire je ne peux pas, je ne sais pas comment faire, c'est pas possible, c'est pas pour moi, je ne vais pas y arriver, etc. Ou d'avoir des comportements de plainte, c'est l'extérieur, c'est de la faute des autres, j'ai pas de chance, tout est difficile, tu comprends bien la conjoncture, etc. Et puis le marché est compliqué en ce moment. Si tu as ce genre de discours, c'est que ton subconscient est programmé sur des limitations. Il n'a pas libéré certains blocages, certaines croyances qui t'ont été transmises, et du coup, ça crée un plafond de verre qui t'empêche de voir que au-delà, au-dessus, il y a une autre réalité, une autre manière de créer sa vie. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que nous avons le pouvoir sur notre conscient et notre subconscient, et nous pouvons réinformer notre système. Donc, avant de faire de la déco, avant de toucher des choses, avant d'agir dans la matière, je t'invite à réfléchir déjà, qu'est-ce qui vibre en toi? Qu'est-ce qui émane de toi? Qu'est-ce que tu diffuses? Qu'est-ce que tu projettes au monde? Parce que c'est cette réalité-là que tu vas te traîner au quotidien et que tu vas offrir à tes clients chaque jour, à chaque rencontre, chaque fois que tu fais quelque chose. Est-ce que tu as envie d'offrir une boule de limitation, de frustration, de déception qui est restreinte, qui est congestionnée? Est-ce que tu crois que ça va attirer beaucoup de gens? Est-ce que ça donne envie aux gens de dire oh génial, cette personne-là, elle va diffuser du bonheur, plein d'ondes positives dans mon intérieur, j'ai envie qu'elle crée mon chez moi, j'ai envie de l'inviter, qu'elle fasse partie de mon flot de vie, de ma bulle intime, qu'elle programme mon environnement? Ou vous pensez que c'est plutôt dissuasif et décourageant? Oui, pour attirer les bonnes choses, il faut vibrer sur les bonnes fréquences. On le sait, c'est la loi de l'attraction, la loi de la vibration. Maintenant, comment on fait? Eh bien, on réinforme notre cerveau, on se reprogramme, on se prend en main. Tout simplement, on arrête de se plaindre, on arrête de mettre notre énergie sur l'extérieur n'est pas comme je veux. L'extérieur, il est simplement le reflet de notre configuration intérieure. Donc, on reprend notre pouvoir, on assume notre responsabilité, on assume notre vie, on se regarde dans le miroir, on réapprend à apprendre correctement, on découvre les codes, on prend les rênes et on pose les bonnes intentions et les bonnes vibrations. Comment? Eh bien, ces magnifiques dernières journées, dernières heures pour profiter du programme Trans de transformation à moins 50%. On a fait le lancement, ça a cartonné. Il reste quelques heures pour embarquer à prix coupé en deux. C'est absolument fantastique. Ce contenu vaut de l'or, il vaut des millions. Il peut te permettre de tout atteindre, de tout reprogrammer. Il est la clé dans toutes les situations. Alors pour améliorer tes relations, tes finances, ton job, ton énergie, ta santé, tes relations avec tes enfants, tout ce que tu veux améliorer, le point de départ, il est là. Viens apprendre à reprogrammer les choses et tu verras que ton métier de décoration, ta passion pour l'aménagement ou simplement ta vie, si tu ne travailles pas là-dedans, va prendre une autre dimension et que ton lien à la matière va totalement changer grâce à cela. J'espère que tu vas en profiter, c'est une occasion en or de te créer une année 2024 de folie, de dingue, de matérialiser tes rêves comme jamais auparavant, comme tu n'oses même plus imaginer à force de déception et de découragement. La lumière est au bout de la transformation, elle est juste là, il te suffit de cliquer pour embarquer, tu as zéro risque. Maintenant, c'est à toi de voir quelles excuses vont te freiner ou si tu vas enfin oser t'offrir la vie que tu mérites.